janvier 2018. Bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la carbone capable pour troisième sortie de le journal la prochaine ici là. Entre temps, quittez-moi sans le rebond et que vous un très bon mercredi. Bonjour Ekadine, toujours un plaisir pour nous capables ensemble avec vous le matin pour nous capables présenter l'édition nouvelle ça. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Déjà, nous souhaitons vous passer un très bon mercredi sous TNH. Ekadine, bon mercredi à vous-même. Merci Ruben et quant à téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, on a souhaité aux patients une excellente journée mercredi. N'a pas eu quelques principaux points n'a pas gain pour développer dans le journal la matin. Chambre députée a organisé première séance plénière hier sous direction nouveau président Chambre Gary Baudot dans l'occasion quatre blocs politiques formés alliance parlementaire pour Haïti APH bloc majoritaire qui gagne 71 députés bloc député OPL vérité à Calier 17 députés groupe parlementaire cap côté peuple GPEP 12 députés à groupe parlementaire pour stabilité GPS avec 13 députés. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural l'ouvre hier mardi un atelier sous question la pêche pour l'atelier SILA qui a duré deux jours, plusieurs cadres dans le ministère et spécialistes, partenaires nationaux et coûts internationaux a réfléchi sous plus bonne façon pour capable pratiquer la pêche dans le pays d'Haïti. L'autre point à développer pour nous, dans l'actualité, le ministère Santé publique et population, dans la tête collée avec le ministère Commerce et Industrie, demande toute maman et papa petite faire camper sous le petit lettre Célia à cause de l'aide de la microbe la donnée qui a effet secondaire sur la santé Tibélé. Et puis à l'étranger, dans le cadre de visite dans le pays Chili, Pape François Chita parlé à Yemadian avec famille victime abus sexuel en bas père catholique. Avant ça, Pape l'a demandé pardon à parents Timoun Sayo qui subit tisonnage sexuel en bas père catholique. Voilà, c'est ensemble pour savoir que pilote cap pour faire essentiel journal là pour jeudi mercredi. Arrêtez branché, développement information ça c'est dans quelques secondes. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti mais développement information. Chambre députée a organisé première séance plénière li mardi 16 janvier 2018 la séance a déroulé sous formation commission permanente. Pendant séance il y a quatre blocs politiques qui inscrit dans bureau alliance parlementaire pour Haïti APH qui gagne 71 députés bloc député OPL vérité à Calier 17 députés groupe parlementaire cap côté peuple GPEP 12 députés et puis groupe parlementaire pour stabilité GPS. Après inscription au bureau à journée séance là pour demain, c'est-à-dire pour jeudi, en attendant bloc politique, yo joignent yon entente pour formation commission yo. Selon président chambre député a député Gary Baudot, n'a pas vite suivi un extrait. Nous faisons séance là pour nous être capables, dans premier temps, inscrit bloc politique yo, pour nous sans bloc politique yo. Et pour vraiment travail parlementaire là pour qu'on commence dans un second temps après inscription des blocs politiques où qu'on est désormais nous avons quatre blocs politiques à la chambre, c'est GPEP, GPI, OPL Vérité Allié et le bloc majoritaire APH, Alliance Parlementaire pour Haïti. Donc GPS, merci, parce que GPI pas manifesté malheureusement, donc les cas pour qu'on bah qu'on est même GPI pas manifesté. Donc il y a quatre blocs désormais. Donc je dis nous-mêmes non, bon pour aller en pile indépendant. Donc ça beaucoup indépendant beaucoup manifester. Donc nous-mêmes pour nous faciliter harmonie, pour nous faciliter concorde, nous sommes capables de continuer ces instants là pour nous faire formation et commission qu'on est début de formation politique et commission c'est pouvoir pas le séparer président commission, vice-président, secrétaire, rapporteur. Donc, séance ça, l'étape une séance houleuse. Donc, président, mettez séance là en continuation. Donc, moi, vous voyez, président Blocio, a joué un consensus dans le temps. Donc, on a 20 commissions dans la chambre. Donc, pour regarder qui est par rapport à champ de compétences, par rapport à affinité politique, en tenant compte aussi du ratio. Nous connaissons parce que le bloc majoritaire est déjà majoritaire, c'est sûr que l'a gagné plus de commission, donc l'a fait ainsi de suite. Donc, moi, vous voyez, on a joué un accord sous désaccord pour que rapidement nous mettions la chambre au travail.
N'a toujours été au niveau du Parlement haïtien sous n'importe presse. Président groupe parlementaire capteur des peuples à GPEP, Peter Constantin Dio, inscrit à 12 députés. Bloc la pral continue de travailler pour capable de faire travail contrôlé d'après Jean Constitution pays à Madessa. Député a dit au pral chita à Claude Bloc non parlement haïtien pour former commission permanente. Toujours dans le micro Fedner confident avec Maurice Lubrich. Nous avons 13 députés qui inscrits dans le bloc là, mais il y a deux autres qui pourront signer pour nous prendre une précaution pour ne pas participer à ce tribunal. Jusqu'à présent, ils ont été convaincus qu'il y en a qui en voyage, nous sommes venus pour signer, mais jusqu'à présent, nous là avec 10 députés, qui 11 députés du bloc, j'ai pu quitter là dans le temps. Lorsque on bloque, côté nous-mêmes, nous sommes très responsables, nous venons travailler chaque jour, nous là. Et lorsque de l'autre bloc, même si on en pile, ils ne viennent pas travailler pas présent, nous sommes capables de faire un pile de bagages, nous même. Président de l'Alliance parlementaire pour Haïti, député Léo Ganna Wilson Hippolyte, exprimé satisfaction liée pour le travail à PH fait dans la 50e année législative passée. Député Hippolyte a dit inscrit à 71 députés. Il pourrait continuer pour voter plus de lois, jouer le pouvoir contrôle sur la Constitution. Mandé ça, nous avons voté sur. Nous avons voté en pile loi à la satisfaction de la population haïtienne. Et dans l'intérêt pays sur le plan politique, social et économique, nous pensons que c'est à cause de bon travail Chambre des députés a été fait, particulièrement bloc majorité a nous dit, qui permettent que Chambre non les avancer, parce que là nous comptons 60, alors l'année dernière nous étions 65 et année ça nous 72. Cela veut dire sans le bloc majoritaire, Chambre députée n'a pas marché. Et nous déterminons à Anissa pour nous travailler beaucoup mieux, pour que nous soyons capables de voter beaucoup plus de lois, de propositions de loi et de projets de loi. Toujours sous même question, si là, président bloc OPL, vérité avec Alliéo, Pierre-Judas Destiné, dit bloc là, gagné la dernière 17 députés, ou au lieu d'après constitution, c'est contrôler pouvoir exécutif là, et puis voter loi. Député Destiné dit bloc OPL, vérité avec Alliéo, pour continuer le travail déjà commencé pendant l'année passée. Toujours dans le micro, Fedler Confident avec Moïse Rubich. Nous connaissons et commission, c'est un outil qui pour permettre l'efficacité du travail Chambre des députés. Nous avons travaillé en telle sorte pour nous joindre des compromis parce que nous connaissons nous avons un parti qui a une forte majorité, qui est CPHTK. Donc, nous pas souhaité aller dans l'élection, dans tac au tac, ensemble avec eux, mais nous demandons, et je pense que c'est l'objectif de tout, c'est progrès et Chambre des députés et faisabilité séance. Donc, nous ouverts, nous avons le travail pour nous jouer nos consensus, pour nous voir comment nous sommes capables de faire distribution et commission yo, okay. Au niveau différents blocs. Sous 20 ans qui gagnent, combien nous visons? Et bon, nous-mêmes, nous visons. Et frontalière et défense et non visé et éducation parce que nous avons un député qui était dans la tête qui a fait un bon travail et, ainsi que député Belange tout qui c'est membre vérité OPL et allié et ensuite nous avons environnement parce que nous même nous très souciés et de ça et nous gagnons parce que nous gagnons médecins qui dans bloc dans tout nous avons et santé et nos travaux publics parce que nous avons des ingénieurs tout qui dans bloc noir. N'a pas toujours été au niveau de chambre député pour nous faire connaître un député circonscription cap haïtien Jean-Étienne avec un député circonscription Jérémie Marie-Gladys Saint-Jean lundi. Deux députés qui font partie du bloc Alliance parlementaire pour ce bloc majoritaire dans la chambre député. Ils ont pris le travail pour gagner plus de lois qui votent dans la chambre député et puis contrôler l'action du gouvernement. N'a pas envie de suivre. Nous, du côté de la permanence, pour nous travailler, pour nous faire équipe ça au travail. Parce que je dis, nous travaillons avec l'équipe la Digicel, qu'on a Anat comme nous, qui a baissé panique. Eh bien, si pour ce sujet de la jeune service, c'est que nous-mêmes, comme députés, faut mettre le travail nous, au propre, faut nous accepter que pour nous travailler. Et année samedi, à tout le monde cap haïtien, tout haïtien en général, eh bien, député cap haïtien, nous avons fait boucher double. Non seulement nous avons fait proposition de loi,
dans le projet de loi du gouvernement gain pour ouvrir par ici et qui nous doit faire le dynamisme pour nous mettre nous au travail pour nous permettre que la troisième année vienne deux fois plus efficace par rapport à l'année passée. Et je vous dis, ça n'est pas un rêve encore. Nous avons dit frère, nous ne sommes pas prêts. Nous avons regardé le travail nous commencé dans le département nord, dans la ville caparicien, par rapport à tout ça nous avons dit dans la campagne. Et nous voyons que chapeau pour nous avons dit, qui était recevoir le contrat à route qui nous a fait le pédoir pour route. Et nous avons fait vraiment, nous avons fait le pédoir pour restauration de l'église cathédrale du caparicien et réparation en fait. Nous avons fait le pédoir pour nous faire canalisation. Et ville caparicien pour nous draguer rivière au Ducap, pour nous draguer rivière Rony qui est dans le dos, et zone brûlante qui chaque moment cap inondé. Nous vous disons, c'est la première série de travail nous. Et nous disons fort, bien député caparicien, nous décrétons la permanence pour nous travailler deux fois plus. Dans le bloc et APH que moi, c'est un bloc qui est appuyé, si nous capable de dire, soutenu politique et gouvernement. Mais année ça qui c'est une nouvelle année et c'est que déjà n'a pas espéré à partir de bilan justement que le premier ministre Santé Vini fait devant nous là pour nous suivre à la lettre non seulement bilan mais perspective que le gouvernement lui-même lui fixe tête lui pour que lui suive pour nous garder qui ça n'a pas capable charrier comme action positive pour nous porter dans ces circonscriptions que moi-même moi représente qui c'est la circonscription de Jérémy. Et je ne peux pas parler tout de format et de consensus qui est en train de dégager là et sous question formation, commission permanente dans la Chambre des députés et des commissions spéciales. Donc l'année dernière, moi j'étais présidé une commission qui c'est commission conditions féminines et équité de genre qui c'est une commission normalement qui m'a dit que c'est dans le champ d'action moins champ de travail moins étant donné que me passé 22 années m'a travaillé pour le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes comme coordonnatrice départementale dans Grand Anse. Donc année ça encore et commission pour le former et moi pour vous dire dans qui commission que m'a pied et qui commission que m'a le présider mais cependant moi-même moi connais pour ça qui concernait circonscription Jérémy hein, mon yo attend en pile bagaille de nous et nous autres en tant que femmes nous te dit nous vini dans le parlement pour nous faire la différence pour que nous permettre que circonscription était vivant n'a quitté parlement haïtien nous pour aller dans question agriculture ministère agriculture ressources naturelles ak développement rural l'ouvri mardi 16 janvier a yon atelier sou question la pêche kap bote jodi mercredi a plusieurs cadres dans le ministère si la ak spécialiste dans domaine nan partenaire national kou international présent yon façon pour capable réfléchir sous affaire la pêche kap permet yo garder ki avantage yo ka bénéficier dans secteur si la atelier ça a permettre yo identifier problème yo pour ka produire recommandation ka viser améliorer la pêche par bois ici annonce li entré dans le cadre d'un projet que nous gagnons que la met en œuvre avec financement de la ville. C'est le projet de renforcement de pêche artisanale. C'est un projet qui est censé dans deux départements principaux, la PIA, trois départements, c'est Sud-Est, Sud et Grand-Anse. Et le projet a devenu en plus intensité après le passage de cyclone Mathieu. Si nous sommes capables, il y a cela un mois, moi, de passage dans Côte-Sud-là, particulièrement à Chadonnière, côté notamment 10. Distribuer des matériels de pêche, donc des bateaux, des kits de pêche, c'est le cadre de projet ça qui est financé par la BID, un projet qui a commencé depuis 2015, la fin en 2020, et c'est pour nous un montant de 16 millions de dollars, 15 millions de la BID et 1 million de contrepartie. Dossier santé pour une fois qu'on a le ministère de santé publique avec la population en tête collée avec le ministère commerce, demander toute maman avec toute papa petite qui connaît Baiti Mounio, l'aide Célia pour yo camper sous l'aide ça à cause yon microbe qui dans l'aide là, ça qui est capable de gagner effet secondaire sur petit bébé yo. Le ministère ça a annoncé yo prend toute mesure pour l'aide ça à pas continuer à vendre sous marché l'école là. Yon ex-canamico Marie Jolie avec Bernard Ansel. Haïti fait partie de pays, environ 80-83 pays, qui te recevoir
l'État. Donc, par mesure de précaution, nous-mêmes, dans le ministère de la Santé publique, de concert avec le ministère du Commerce, qui vient pour être avec question 1, nous faisons notre ça sortie. Mais si nous regardons bien, nous ne sommes pas le premier pays qui sortit notre ça. Semaine dernière, nous notre contact a circulé sur les réseaux sociaux, qui est sorti Côte d'Ivoire. Et même la France, côté l'État, a produit des mesures similaires qui prend pour dire que non seulement pas consommer, mais suspendre tout distribution produit. Et dans ce sens, nous voyons un coup de chapeau pour maison qui représentait produit céréales en Haïti, qui lui-même était déjà fait notre sortie pour dire la population pas consommer et il était relé tout le monde que il était mettre produit à la caillou en vente pour y retourner produit et yo même yo était déjà gagné des monde qui marché ramasser produit qui était déjà en circulation. Bon bagaille yo relé la caillou, attention pas capon. C'est dans produit ça dans lettre là que yo joindre bactéria. Mais lettre là li gon côté que le fabriquer. Dans usine que le fabriquer par mesure de précaution, autorité française yo dit si yo joindre bactéria dans yon produit li capable probable tout que bactéria c'est dans usine dans lié donc li ka contaminer l'autre produit. Et en ce sens moi quoi une mesure que yo prend qui c'est peut-être une mesure qui est drastique, c'est que yo mandé usine qui a produit, qui a fabriqué l'être là pour li camper sous production tout l'autre produit et puis yo faire ça relais décontamination. Donc autrement dit, nous même en Haïti nous pas grand problème l'être celia contaminé. Nous recevoir un message qui dit clairement que yo identifié une quantité de lettres qui probablement cap contaminé et comme dans l'eau que yo incriminé a gen la dedans qui devine en Haïti quand kou gen kal dans l'autre pays donc tout pays qui te recevoir dans l'eau ça yo prend mesure de prévention ça nous dit que population pas consommer si yo te gen acheter pas continuer acheter si yo pote acheter et distributeur qui responsable distribuer lettres là pour lui faire rappel c'est-à-dire pour lui al prend tout côté que le débat. Il y a une précision m'a essayé pour des bonnes. En général, pour certains produits, quand on a médicaments ou bien des bagages comme ça, agence de distribution fait ça nous les mises en consignation. Ça veut dire que ça veut dire que c'est pas des produits que souvent ou même acheter pour aller revendre. C'est des produits que vous mettez dans le commerce pour vendre et au fur et à mesure qu'il y a venir chercher comme là. En ce sens, moun qui gagne produit à pour vendre les patates posent un problème pour y retourner parce que souvent c'est pas on l'argent que y a investi que y a perdu son commerce qu'on t'a pral fait ou t'a pral vendre pour un monde et puis pour monde n'en vienne toucher donc monde qui bo vendre dans l'île ou pas vendre la vienne chercher à faire donc ou juste remettre monde à faire et si jamais gen monde qui t'en temps payer produire maison rembourser yo donc c'est ça et maison lui-même n'est pas perdu comme là parce que c'est manufacture là c'est usine qui fait là qui dit rappeler. Donc autrement dit, son remboursement en chaîne. Donc personne n'a perdu rien. Seul monde qui a perdu, c'est la population, hein, s'il continue à faire tête raide, consommer, produire. Malgré que, je vais répéter encore, je dis encore que nous n'avons pas là, pas gagné des cas de maladie en Haïti qui lié à la consommation de l'être là. N'a quitté dossier santé n'a pas entré dans question éducation ministère éducation nationale et formation professionnelle Pierre José Agenor Kader visité mardi 16 janvier l'école nationale Route Frère. Objectif visite là selon ministre Pierre José Agenor Kader c'est pour vérifier information cap circuler qui t'a fait comprendre directeur l'école si là a mandé parents élèves l'école là l'argent pour faire examen ak katina. John Herbica Seyusa ak EVP a te sou plas. L'idée environ 10h nan matin, l'aide d'éducation sa, ki te gen nan tête li, ministre éducation nationale ak formation professionnelle la, Pierre Josué Agenor Kader, rive nan l'école nationale Freya. Nan discussion li te gen ak ministre lan, responsable section matin d'école la, Emile Massier, avoue direction te mande parents élèves yo kòp vraiment. Selon directeur, yo mande parents yo pou yo verse 25 gouttes chaque semaine pour cantine, environ 75 gouttes l'examen ak 500 gouttes comme frais annuel. Banque a un paquet de bagay pou me faire qui donc m'oblige te faire une réunion ak parents yo. Mais volontairement, parents yo di ba me $100. Ba me $100. Or, c'est 25 seulement qui ba me $100. Donc c'est avec me faire réparation banque, avec me faire réparation barrière ak te écrasé, c'est de me faire toute bagay sa yo. Qui donc c'était 25 seulement qui te ba me le bon. Pour finir, je vais manger. Nous avons une bonbonne pour le plein. Il faut que c'est $600 gaz qui plein. Mais là, et ensuite,
pas gain moyen pour me faire fonctionner, même faire réunion avec parents, on me dit parents ça, parents te dit il y a bam 100 dollars, bam 100 dollars. Ministre de l'Éducation nationale là, Pierre Josué Agenor Cadet condamné décision responsable l'école nationale Fréa. Il a annoncé que la décision qui pral prend au niveau ministère pour faire arrêter moun kap mandé par élève l'école nationale Yokob. La loi, constitution garantit l'école primaire gratis. Jodi a pas l'école primaire, nous gen l'école fondamentale qui gala dans le 3 cycles. Et bien dans les deux premiers cycles, et bien c'est bagay gratis tiché. Et bien on a passé dans diverses écoles côté nous gen des soupçons, nous pral poser question, nous pral faire suivi. Jodi a là, ça fait là ici a yo parlé justement de l'école ça, école nationale du frère, côté on dit que nous des jeunes quatre parents qui fait un rapport qui dit que dans l'école ça on fait tout monde payer. Ou j'en saute là, je parle avec le directeur, qui dit que effectivement, il y a 25 parents qui ont contribué avec un frère de 500 gouttes pour être capable d'aider à répondre à quelques exigences. Là, nous dit que nous-mêmes, aujourd'hui, nous dit qu'il faut que nous impliquions largement et ça nous sommes capables de dire collectivité territoriale avec tous les parents dans la gestion de l'école. Donc, si il y a un comité de parents qui veulent, peut-être ça capable possible, yo cap voir l'école là gè problème, yo gè ti moun adan, yo cap aider et là dans. Mais nous pas tolérer c'est direction même qui pral collecter l'argent dans mes parents. L'école nationale Fréa fonctionne dans deux vacations. Selon information yo, chaque vacation réclame cotisation yo en fonction besoin groupe là. Yon démarche ministère de l'éducation nationale désapprouvé. Merci avec collaborateur non journée Cassius. Plusieurs magistrats déjà chita ensemble d'après magistrat Petrovilla Dominique Saint-Roch qui a l'idée pour capable contrecarrer problème fatra dans la zone métropolitaine. Dans ce sens, magistrat Petrovilla souhaite population collaborer avec autorité une manière pour arriver joindre une manière pour capable arriver joindre solution avec fatra tout mouvrir dans zone ça on a pas vite suivre. Ensemble de magistrats de la zone métropolitaine, nous nous réunissons ensemble et nous disons que pas aucune fierté, l'homme nous a dirigé en ville et que ville n'est pas propre. Le premier bagage qui vous fait fierté, c'est l'état de propriété ville. Et nous sommes gens satés dans le temps, longtemps, lors la caillou, c'est bribalé qui toujours les vaut dans dormi. Parce que le premier bagage citoyen haïtien toujours fait, c'est balé la caillou et puis tout la rose et côté qui est en terre battue pour permettre que ville n'est pas propre. Nous-mêmes, ces derniers temps, ils arrivent jusqu'à traiter de magistrats sanguins. Donc, c'est pas que nous-mêmes, nous pas qu'on tâche nous, mais ces difficultés, énormité difficultés gagnent par rapport avec moyens pour capable aboutir afin qu'ils se nettoient les villes. Donc, ça a devenu fait que ensemble de magistrats zone métropolitaine, nous chita et nous décréter question fatra problème numéro 1 pour année 2018 là. Et depuis là, on a concentré le soulier. Ça a abouti hier à un gros rencontre qu'on gagne avec le président. Qui te relé nous, mandé nous chita, poser problème caravane qui arrive sous différents départements. Yo, et là, tout nous poser gros problème fatra qui gagne. Et côté que, et c'est ménager à produire fatra chaque jour. Donc, c'est l'État qui a une capacité pour nous chercher fatra à Kamounio, pour éviter que vous exposez dans de gros dépôts pour que ces dépôts qui ont servi d'adresse. Donc, tout ça a été posé comme problème. Et le président est clair avec nous que il pourra le garder dans un temps qui n'est pas long, qui est capable de faire. Et tout à l'heure, ça c'est une première là, je pense que il y a des mairies là qui pourra bénéficier de deux compressifs. Et je pense que dans les heures qui viennent, et parce que selon l'information que me fait gain là gain au sous place donc ça va permettre que prise en charge et vilio ne pour être capable faire et nous clair et on magistrat et le responsabiliser les gain matériel l'emmène pour le travail civil n'a pas pour carreler pour dire et magistrat ça qui passé là moi Pétionville ça donc nous même nous connaissons une bataille que nous décréter que nous pour gommer pour que en définitif nous gain bataille qui pour permettre que vilio capable propre je pense que son prise de conscience qui pour prendre et beaucoup de l'état et beaucoup de citoyens à partir donc campagne de sensibilisation que vous même gain pour jouer rôle pour là-dedans. Dans le cadre de visite dans le pays Chili, Pape François rencontre bien bonne matin, victime qui était jointe qui était victime abus sexuel dans divers pères catholiques. N'a pas vite suivi un reportage avec eux. Ce n'était pas au programme officiel de son séjour au Chili, mais le pape a tenu à faire cette rencontre. Mardi, François s'est entretenu en toute intimité avec plusieurs victimes d'abus sexuels perpétrés par des prêtres. Une réunion très attendue dans ce pays, où des scandales de pédophilie ont éclaboussé l'église à plusieurs reprises.
Conozco el dolor que han significado los casos de abusos. Je connais la douleur qu'ont provoqué les cas d'abus commis sur des mineurs et je suis de très près ce que l'on fait pour surmonter ce grave et douloureux mal. C'est pourquoi il faut demander à Dieu de nous donner la lucidité en son nom, le courage de demander pardon et d'écouter ce qu'il nous dit. Y la capacidad de aprender a escuchar lo que él nos está diciendo. Un message de repentance qui cache des décisions parfois. En 2015, le pape avait nommé un évêque soupçonné d'être resté silencieux sur des cas de pédophilie. Nous prenons un pays américain par rapport à parole qui t'a fait comprendre un président américain. T'as un petit problème de santé et même un petit problème en tête. Un bien docteur président américain déclaré à Yemadian, un bien Donald Trump lit en bonne santé, même santé mentale, président lit en forme. Euronews pour plus de détails. N'en déplaise à ses détracteurs, le président américain va bien. À 71 ans, il est même en excellente santé, y compris sur le plan mental. C'est ce qu'a déclaré mardi le médecin de la Maison-Blanche qui a ausculté Donald Trump vendredi dernier. Le président conserve un esprit très vif et très intact. Est-il apte à exercer ses fonctions ? Absolument, je pense qu'il restera apte jusqu'à la fin de son mandat et même jusqu'à la fin d'un autre mandat s'il est réélu. Ces résultats médicaux sont censés clore une énième polémique, juste après la sortie d'un livre controversé dressant un portrait au vitriol de Donald Trump, un ouvrage dans lequel l'entourage du président doute de sa capacité à gouverner. Seule recommandation du médecin de la Maison-Blanche, Donald Trump devra surveiller son régime alimentaire et perdre entre 4 et 7 kilos d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est ensemble l'information que nous avons développée pour matin dans le journal là, mais le principal point qui était fait essentiel. Jean-Marc député a organisé la première séance plénière hier sous direction nouveau président Jean-Marc député à Gary Bodo. Dans l'occasion, quatre blocs politiques formés, Alliance pour parlementer Haïti, APH, bloc majoritaire, qui gagne 71 députés là-dedans, bloc OPL, Vérité à Calier qui gagne 17 députés, groupe parlementaire Cap Coute Pep, GPEP qui gagne 12 députés, et groupe parlementaire pour stabilité qui gagne 13 députés. Ministère agriculture et ressources naturelles et développement rural l'ouvri hier mardi un atelier sur question la pêche pendant atelier ça cap durer 2 jours plusieurs cadres ministère et spécialistes partenaires national ou international a réfléchi sur plus bon moyen pour capable pratiquer la pêche dans le pays d'Haïti. Ministère Santé publique et population en tête collée avec ministère commerce et industrie mandé toute maman et papa petite fayon campé sous bay petite lettre celia à cause yon microbe qui dans lettre ça qui ta gen gros effet secondaire sous santé ti bébé. Et puis à l'étranger dans cadre visite li dans pays Chili, Pape François Chita parlé hier mardi avec famille victime abus sexuel en bas père catholique. Avant ça, pape la té mandé pardon ak parent ti moun sa yo ki sibi ti zonaya sexuel en bas père catholique. Voilà, nous sommes contents ensemble avec vous. Très bonne journée le mercredi. C'est un plaisir, Kazim, de vous ensemble. Bonne journée à vous-même. Bonne journée à vous-même. Qui t'a suivi l'édition ça. Rendez-vous à ce demain, Kazim. Bien sûr, et Ruben Dumont, et quant à vous-même, téléspectateurs et téléspectatrices, restez branchés chez nous, puisque l'information n'a pas à poursuivre sur Internet, télévision d'État.